Bonjour et bienvenue dans cette courte séance de yoga vinyasa, une séance avec une dominante, un focus sur les équilibres. Avant de démarrer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport vidéo. Bien, pour cette séance, vous avez juste besoin d'un tapis et d'une serviette. Placez-vous les bien assis sur votre tapis. Posez les poignets sur les genoux, allongez votre colonne et relâchez vos épaules. Vous pouvez fermer les yeux un petit instant. Inspirez par le nez. Expirez par le nez et le fond de la gorge. Portez votre attention sur la position de votre corps, à la longueur de la colonne, de la nuque, le relâchement des épaules, des bras. Visualisez l'espace autour de vous. Prenez conscience de votre position dans cet espace. Une dernière respiration. Croisez tout doucement les doigts, hop, faites des rotations des poignets, collez les paumes de main ensemble, collez les avant-bras ensemble également. Bien, vous pouvez venir poser le bout des doigts près des fesses, enroulez doucement vos épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Dans l'autre sens. Dernière fois, gardez les épaules basses, pivotez tout doucement la poitrine vers le genou droit, on incline le buste vers l'avant, on glisse vers le genou gauche et on redresse. On incline le buste vers le genou droit, on glisse vers le genou gauche et on redresse. Gardez cette longueur dans la colonne. Hop, poussez bien votre crâne vers l'avant. Bien amener le menton au loin. Dernière fois. Et on change de sens. Hop, on incline vers le genou gauche, on glisse vers le genou droit et on redresse. Gardez bien les fesses au sol. Toujours cette longueur dans la colonne. Dernière fois. Et on redresse. On incline droite et gauche. Prenez bien appui sur le sol avec la main pour incliner le buste et porter les côtes sur le côté. Donc l'inclinaison ne se fait pas à partir des hanches, l'inclinaison va se faire à partir du sternum. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois de chaque côté. Et on redresse, on twist, amenez l'avant-bras à l'extérieur de la cuisse, l'autre main derrière, allongez la colonne et portez le regard au loin. On change de côté, inspire. Utilisez le bras comme levier, expire, le regard au-dessus de la tête, inspire, on change, expire, on twist, inspire, on change, expire, on twist encore, inspire, expire. Dernière fois, droite et gauche, gardez cette longueur toujours dans la colonne, ouvrez la poitrine. Et on redresse. Parfait. Placez-vous à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Dos rond, dos creux. On arrondit le dos. On creuse. Le regard au nombril. Le regard au plafond. Expire. Et inspire. Dernière fois.
Et on stabilise dos droit, dos plat. Écartez bien les doigts, retroussez les orteils, chien tête en bas. Décollez les genoux du sol, reculez les fesses vers l'arrière. La tête entre les deux épaules. Allongez votre dos. Posez les genoux au sol et amenez les fesses sur les talons. Pose de l'enfant. Souffle. On revient à quatre pattes. Chien tête en bas, retroussez les orteils, allongez votre dos. On fléchit une jambe, on tend l'autre, on monte et on descend. Les talons vers le sol. Gardez toujours cette longueur au niveau de la colonne. Prenez bien appui sur le bout des doigts. On repose les genoux au sol. Amenez les fesses sur les talons. Souffle. On revient à quatre pattes. Appuyez un petit peu plus le pouce dans le sol. Tournez les biceps vers le plafond. Allongez toujours votre dos, on monte sur la pointe de pied et on redescend les talons vers le sol. On monte sur la pointe de pied et on redescend les talons vers le sol. N'avancez pas le corps vers l'avant. Hop, levez juste, hop, les fesses au plafond et on redescend dernière fois. Hop, on repose les genoux au sol. Pose de l'enfant, souffle. À quatre pattes, on revient, chaturanga, donc amenez la poitrine devant les mains, on gaine le corps, les épaules loin des oreilles, gardez les coudes serrés, pas trop bas, parfait, avancez la poitrine vers l'avant, un petit baby cobra ici, allongez la nuque, on repousse doucement le sol, pose de l'enfant, les fesses sur les talons. Revenez à quatre pattes, chien tête en bas, inspire. Expire, reposez les genoux au sol, chaturanga, donc amenez la poitrine devant les mains, hop, guinez le corps, avancez la poitrine, venez toujours soit dans un baby cobra, soit dans un cobra, allongez la colonne, guinez le corps, repoussez doucement les fesses sur les talons, pose de l'enfant, à quatre pattes, chien tête en bas, inspire, expire. Posez les genoux au sol, chaturanga, contrôlez, ouvrez, pose de l'enfant, les fesses sur les talons, à quatre pattes, chien tête en bas, inspire, expire, on monte sur la pointe de pied, marche de canard, amenez doucement les pieds près des mains. Donc, n'hésitez pas à avoir les jambes bien fléchies au départ pour pouvoir bien poser les mains au sol et puis ensuite lever les fesses, relâcher la tête. Les mains sur les tibias, on inspire, soulevez la poitrine, allongez la colonne, dos plat. Et on souffle, on repose bien les mains au sol, on relâche la tête. Inspire par le nez, allongez la colonne. Expirez par le nez, le fond de la gorge. Dernière fois, inspire. Et souffle. Redressez la tête, le dos bien droit, amenez les mains en prière, on remonte le dos droit et ramenez les mains au sternum. Avancez sur la partie avant de votre tapis, pieds serrés, genoux serrés, inspire, montez les bras au plafond. On incline le buste à partir des hanches et on relâche la tête en dernier. Souffle, dos plat, les mains sur les tibias. Allongez votre colonne, jambe droite loin derrière, souffle un grand pas, bien le genou au-dessus de la cheville, descendez bien le bassin. Planche, inspire, on va poser les genoux ici au sol, chaturanga, donc la poitrine devant les mains, avant de poser, on enroule, et les épaules vers l'arrière, pose de l'enfant, on repousse doucement, les fesses sur les talons. À quatre pattes, chien tête en bas, inspire, expire, montez sur la pointe de pied, amenez le genou droit vers la poitrine, le nez vers le genou et posez le pied entre les deux mains, en un temps ou en deux temps, bien vous posez le pied, vous attrapez votre cheville pour bien replacer le pied entre les deux mains, soulevez la poitrine, ramenez la jambe arrière, on relâche la tête. On relâche les épaules, redressez la tête, le dos droit, et on remonte, dos droit, inspire, expire, ramenez les mains en prière, restez debout, décollez le pied droit du sol, montez les bras au plafond, amenez les bras le long du corps,
Incline le buste un peu vers l'avant, on prépare le guerrier 3, on tend la jambe droite vers l'arrière, on se penche un peu vers l'avant et on redresse, ramenez le genou devant et posez le pied au sol. Inspire, montez les bras, expire, on plonge, souffle. Dos plat, inspire, jambe gauche loin derrière, souffle, un grand pas. Descendez bien le bassin, planche. Inspire, genou au sol, chaturanga, expire. Inspire, cobra. Et pose l'enfant, souffle. À quatre pattes, chien tête en bas. Inspire, expire. Allongez votre dos. Montez sur la pointe de pied, amenez le genou gauche vers la poitrine, le nez vers le genou et posez le pied entre les deux mains. Descendez le bassin. Soulevez la poitrine et ramenez la jambe arrière. Relâchez la tête. Redressez-la. Le dos long, on remonte. Dos droit, inspire. Décollez le pied gauche du sol. Souffle. Montez les bras au plafond. Amenez les bras longs du corps. On incline un peu le buste vers l'avant. Allongez la jambe gauche vers l'arrière. On prépare le guerrier 3. Tendez la jambe d'appui, allongez la colonne, on redresse, montez les bras vers le haut, le genou devant et reposez le pied au sol, ramenez les mains en prière, genou souple, inspire, montez les bras au plafond, expire, on plonge, dos plat, inspire, jambe droite, loin derrière, souffle, planche, inspire. Genou au sol encore pour celle-ci. Vous pourrez toujours utiliser cette option. Chaturanga. Inspire. Et pose l'enfant. Souffle. À quatre pattes, chien tête en bas. Inspire, expire. Montez sur la pointe de pied, genou droit, poitrine. Regardez votre genou et posez le pied entre les deux mains. Soulevez la poitrine, ramenez la jambe arrière et relâchez la tête. On redresse la tête, le dos droit, on remonte, inspire, et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Inspire, on décolle le genou, le pied droit du sol, montez les bras au plafond. On va garder les bras vers le haut cette fois-ci, on va incliner un tout petit peu le buste vers l'avant, allonger la jambe droite vers l'arrière. On prépare la demi-lune, vous allez pivoter donc vers votre côté droit. Ouvrir votre hanche pour reculer la fesse droite vers l'arrière. Ouvrir les bras sur les côtés. Tournez vos orteils vers le plafond. Hop. On allonge la colonne. On allonge les bras. On redresse tout doucement. On ramène le genou devant, les bras au plafond. Et reposez le pied au sol. Les mains en prière. Inspire. Expire, on plonge. Souffle. Dos plat, inspire. Jambe gauche, loin derrière, souffle, un grand pas vers l'arrière. Planche, inspire, option genou au sol, chaturanga, expire, inspire, cobra. Vous pouvez tout doucement monter dans un chien tête en haut si vous voulez. Pose de l'enfant, souffle. À quatre pattes, chien tête en bas, inspire, expire, montez sur la pointe de pied. Amenez le genou gauche vers la poitrine, le regard vers le genou et posez le pied en fente. Donc toujours en un temps ou en deux temps. Soulevez la poitrine et ramenez la jambe arrière. Souffle, on relâche la tête, redressez la tête, le dos droit. Inspire, on monte et souffle. Décollez le pied gauche du sol, montez les bras au plafond. On incline le buste un peu vers l'avant, on allonge la jambe gauche vers l'arrière, on prépare la demi-lune, pivotez donc vers la gauche, ouvrez les bras, tournez les orteils vers le plafond, allongez la colonne, de la longueur dans les deux jambes, dans les bras, on redresse tout doucement, on ramène le genou devant et reposez le pied au sol. Parfait. Donc, toujours pieds serrés, genoux serrés, amenez les bras longs du corps, pose intense, inspire. Poussez bien les fesses vers l'arrière, levez le menton. On pose les mains au sol et on lève les fesses vers le haut. Souffle, dos plat, inspire.
Jambe droite, soin derrière, souffle, un grand pas. Planche, inspire, chaturanga, expire, inspire. Donc cobra ou chien tête en bas directement, souffle les fesses vers l'arrière. Montez sur la pointe de pied, amenez le genou droit poitrine, le regard vers le genou et posez le pied entre les deux mains. À partir de cette pose, on va venir dans la fente debout. Vous pouvez très bien rapprocher un peu la jambe arrière, jambe un peu fléchie, et on monte les bras au plafond. Essayez d'amener pour l'instant le poids du corps sur les deux jambes, les épaules basses. Guerrier 2, ouvrez, posez le talon arrière au sol, les bras sur les côtés. Donc guerrier 2, appuyez bien sur la tranche de pied. La tranche de pied est parallèle à la largeur du tapis. Ouvrez votre genou avant vers le petit orteil. On ouvre les hanches, les deux épaules au-dessus des hanches et de la longueur au niveau des bras. Reverse, montez la main droite vers le ciel. On va twister. On va venir tout doucement poser la main gauche à l'intérieur du pied droit. Décoller le talon arrière et monter la main droite au plafond. Descendez le bassin. Et repoussez bien le sol avec la main d'appui. À partir de cette pose, on va venir en guerrier 3. Relâchez le bras droit. Donc, poids du corps sur la jambe avant. Vous pouvez rapprocher un peu la jambe arrière. On pousse sur cette jambe. On décolle la jambe gauche. On amène les bras le long du corps. Allongez-vous. Demi-lune. On va se redresser un tout petit peu. Et ouvrir les bras. Ouvrir les hanches. Reculez. La fesse gauche, tournez les orteils au plafond et allongez les bras. On redresse, pose de l'arbre. Venez poser le pied soit sur le mollet ou sur l'articulation de la cheville. Ouvrez votre genou et allongez votre colonne. Posez le pied au sol, pose intense, inspire. Vérifiez bien que vous voyez vos orteils. On plonge les mains au sol, levez les fesses vers le haut, souffle, dos plat, les mains sur les tibias. Inspire, jambe gauche loin derrière, souffle, descendez le bassin, planche, inspire, chaturanga, expire, inspire, cobra ou chien tête en haut, chien tête en bas, souffle, les fesses vers l'arrière, montez sur la pointe de pied, genou gauche en fente, donc amenez-le vers la poitrine, posez, fente debout, vous pouvez rapprocher un peu la jambe arrière, montez les bras au plafond, guerrier 2, inspire, donc rappel, on appuie bien sur la tranche de pied pour ouvrir les hanches, l'ouverture du genou, on pousse le genou vers l'avant, les deux épaules au-dessus des hanches et de la longueur dans les bras. Reverse, montez le bras gauche au plafond. On twist, on va venir poser la main droite à l'intérieur du pied gauche, décoller le talon arrière et monter le bras gauche au plafond. Descendez le bassin. On relâche le bras gauche, guerrier 3. Donc vous pouvez rapprocher un peu le pied arrière, on pousse sur la jambe d'appui et on allonge la colonne. On essaie de placer les hanches face au sol. On aligne talon, hanche, épaule. On redresse un peu le buste ici pour placer la demi-lune. Ouvrez les bras, reculez la hanche droite vers l'arrière. Les orteils vers le haut, allongez la colonne. Et on redresse, pose de l'arbre. Venez poser le pied soit sur le mollet, soit sur l'articulation de la cheville. Encore une respiration. Posez le pied au sol, pose intense, inspire. Plongez, souffle la pince, dos plat, inspire. Jambe droite, soin derrière, souffle. Planche, inspire. Chaturanga, expire. Inspire. Cobra ou chien tête en haut, chien tête en bas, souffle, pied
Pied droit en fente, inspire. Fente debout, expire. Montez les bras vers le haut. Guerrier 2, inspire, ouvrez. Reverse, montez la main droite vers le haut. Notre twist, posez la main gauche à l'intérieur du pied droit, décollez le talon arrière et montez la main droite vers le haut. On relâche le bras, guerrier 3. On pousse sur la jambe d'appui, expire. Allongez la colonne. Et demi-lune. Donc, on a une bonne respiration pour le faire ici. Inspire, on ouvre. Et sur l'expiration, vous pouvez descendre un peu plus bas. On redresse, pose de l'arbre. Expire. On y reste une bonne respiration. Posez le pied, pose intense, inspire. Expire, on plonge. Les mains au sol, les fesses vers le haut. Dos plat, inspire. Jambe gauche, loin derrière. Souffle. Planche, inspire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en bas. Souffle. Pied gauche en fente, inspire. Fente debout, expire. Guerrier 2, inspire. Reverse, expire, montez le bras gauche au plafond. Inspire, twist, posez la main au sol. Et guerrier 3, relâchez le bras, poussez sur la jambe d'appui. Les hanches face au sol, allongez la colonne. Une respiration pour placer la demi-lune. Inspire, vous pouvez donc vous redresser, ouvrir et descendre un peu plus bas pour approfondir la pose. Inspire, redresse, pose de l'arbre. Il reste une bonne respiration. Amenez le genou devant, amenez le genou devant, reposez simplement le pied au sol, pose intense, inspire, on souffle, dos plat, inspire, jambe droite, loin derrière, souffle, planche, inspire, chaturanga, inspire, chien tête en bas. Pied droit en fente, inspire. Fente debout, souffle. Guerrier 2, inspire. Reverse, montez la main droite. Twist, posez la main gauche à l'intérieur du pied. Descendez votre bassin. Guerrier 3, relâchez le bras. Pousse sur la jambe d'appui. Demi-lune, inspire, expire. On redresse, inspire, pose de l'arbre. Relâchez vos épaules. Dernière fois, reposez le pied au sol, inspire, pose intense, souffle, dos plat, inspire, jambe gauche loin derrière, planche, chaturanga, chien tête en bas, pied gauche en fente. Et fente debout.
Guerrier 2. Expire reverse. Notre twist, la main droite au sol. Guerrier 3, pouce. Allongé. Et demi-lune, inspire. Expire. Pose de l'arbre, inspire. Et expire. Pour la pose de l'arbre ici, vous pouvez donc placer le pied soit donc sur la cheville, sur le mollet ou au-dessus de l'articulation du genou. Jamais sûr, soit au-dessus, soit en dessous. Encore de bonnes respirations. Amenez le genou devant, mettez le genou vers l'eau, les bras vers l'eau. Attrapez votre cheville droite avec la main droite. Amenez le genou vers le bas. Tirez les orteils vers votre tibia, vers votre jambe. Et repoussez le pied dans la main. On gaine le corps. Inclinez le buste vers l'avant. Continuez à repousser le pied dans la main. Donc cherchez à monter le talon vers le haut, à repousser la jambe vers l'arrière. On incline le buste, à pousser le pouce gauche au plafond, pose de la danseuse, inspire, on redresse, amenez le genou devant, placez les mains au niveau des hanches et reculez la jambe droite vers l'arrière, hop, pivotez de façon à poser les deux pieds au sol, vous avez pivoté donc vos hanches vers moi, les orteils rentrés à l'intérieur, on incline le buste, on vient poser les mains au sol, on relâche la tête ici. Donc bien les orteils rentrés, les talons à l'extérieur, pressez les tranches de pied au sol. On redresse un peu la tête, donc on allonge la colonne. On va amener le bras gauche dans le dos, la main droite sur la cheville. Amenez le nez vers le genou, donc main droite sur la cheville gauche, le nez vers le genou. Continuez à pousser vos fesses vers l'arrière. On va revenir en fente à l'avant du tapis, décollez simplement vos orteils, pivotez sur votre talon, donc fente les mains au sol, et on descend le bassin, allongez la colonne. Chien tête en bas, à trois pattes, on va monter le pied gauche au plafond, écartez bien les doigts, montez le pied gauche vers le ciel, planche le genou sous la poitrine, hop, on amène le nez vers le genou, c'est une variante de la pose du tigre, on pousse sur les orteils, on amène le poids du corps vers l'avant, on gaine et on pose doucement le genou au sol. Redressez un peu le buste. Une variante de la pose de la table à une jambe. Vous allez allonger les orteils, donc on prend appui sur le dos des orteils. On ne pose pas le genou, on garde bien la jambe arrière tendue. Un petit travail d'équilibre et de gainage ici. On vient se mettre sur le bout des doigts. Vous allez allonger les bras vers l'arrière, soulever un peu la poitrine, vous grandir. On est tonique au niveau de la jambe droite et on repose tout doucement les mains au sol. On retrousse les orteils, chien tête en bas à trois pattes de nouveau. Remontez le pied gauche vers le ciel, le talon sur la fesse opposée, ouvrez votre genou. Et amenez le pied en fente entre les deux mains, toujours en un temps ou en deux temps. Soulevez la poitrine, ramenez la jambe arrière, relâchez la tête. On redresse la tête, le dos droit, on remonte, inspire. Et ramenez les mains en prière. Décollez le pied gauche du sol, pose de l'arbre. Donc toujours pareil, venez poser le pied soit sur l'articulation de la cheville, le mollet, ou au-dessus de l'articulation du genou. Encore deux bonnes respirations.
Amenez donc le genou devant, montez les bras au plafond. Attrapez votre cheville avec la main gauche. Donc on retrouve déjà les orteils vers le tibia, descendez le genou vers l'arrière, on repousse le pied dans la main, incline le buste, hop. Donc le talon vers le haut, le pouce droit vers le haut, on repousse bien le pied dans la main, sentez le stretch dans le bras, dans l'épaule, et on redresse, ramenez le genou devant, les bras au plafond. Reculez donc votre pied vers l'arrière, amenez les mains au niveau des hanches, un grand pas. Pivotez, hop, on est en bon écart. Les orteils rentrés à l'intérieur, on incline le buste à partir des hanches. On vient poser les mains au sol, vous pouvez relâcher la tête ici. Donc rentrez les orteils, les talons à l'extérieur, on recule les fesses vers l'arrière. On redresse un peu la tête, on allonge la colonne. Amenez la main droite dans le dos. Et amenez la main gauche sur la cheville droite. Option, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, hein, le mollet ou la cheville. On amène le nez vers le genou. Essayez de continuer à presser la tranche de pied au sol. Revenez en fente à l'avant du tapis. Donc on décolle les orteils, on pivote. Replacez les mains au sol. Souffle. Chien tête en bas à trois pattes. On monte le pied droit vers le ciel. Planche, le genou sous la poitrine, le nez vers le genou, on pousse sur les orteils pour amener le poids du corps vers l'avant. On reste et on pose doucement le genou au sol. On allonge les orteils de la jambe arrière, on se place sur le dos des orteils, juste sur le bout des doigts et on amène les bras long du corps. On sort la poitrine, équilibre et on repose. Les mains au sol, on retrousse les orteils, on remonte le pied droit au plafond, le talon sur la fesse gauche, ouvrez le genou, ne twistez pas trop au niveau du haut du corps, et amenez le pied en fente, soulevez la poitrine, et ramenez la jambe arrière, souffle, on redresse la tête, le dos droit, inspire, on remonte, et pose de l'arbre, décollez le pied droit du sol, donc choisissez vos options, cheville, mollet ou au-dessus de l'articulation du genou. Deux bonnes respirations encore. Amenez le genou devant, hop. Les bras au plafond, attrapez la cheville droite avec la main droite, pose de la danseuse. Les orteils vers le bas, repoussez le pied dans la main. On redresse, inspire, reculez la jambe droite vers l'arrière, placez les mains au niveau des hanches. Un grand pas, on pivote, poussez les talons à l'extérieur et on incline le buste, on relâche complètement. On vérifie que les orteils sont rentrés, reculez les fesses vers l'arrière. On soulève la poitrine, enroulez le bras gauche dans le dos, amenez la main droite sur la cheville gauche. Allongez bien vos jambes et revenez en fente à l'avant du tapis. Descendez bien le bassin, chien tête en bas, trois pattes, pied gauche vers le ciel. Planche, le genou vers la poitrine, le nez collé au genou. On pousse sur la pointe de pied et on pose le genou doucement au sol. Pose de la table à une jambe, on retrousse le dos des orteils, on se place sur le dos des orteils. Soulevez la poitrine, amenez les bras le long du corps, allongez la colonne. Hein. Tonique dans la jambe arrière, on repose les mains, retroussez les orteils, chien tête en bas à trois pattes, on remonte le pied gauche vers le ciel, le talon sur la fesse gauche, et amenez le pied en fente, entre les deux mains, soulevez la poitrine, ramenez la jambe arrière, on redresse la tête
Le dos droit, inspire, décoller le pied gauche du sol, pose de l'arbre, souffle. Donc choisissez bien vos options, encore deux bonnes respirations. Amenez le genou devant, les bras vers l'eau. Pose de la danseuse, attrapez la cheville avec la main gauche. Redresse. Amenez les mains au niveau des hanches, reculez la jambe gauche loin derrière. On remplit votre grand écart, le buste incliné vers l'avant. Posez les mains au sol, relâchez votre tête. Reculez les fesses vers l'arrière. On redresse un peu la tête. On amène le bras droit dans le dos. La main gauche sur la cheville droite. Le nez vers le genou. Souffle, ouvrez. Placez-vous en fente à l'avant du tapis. Donc décollez les orteils. Hop, on pivote. Chien tête en bas à trois pattes. Montez le pied droit vers le ciel. Planche, le genou sous la poitrine, le nez collé au genou et on pousse sur les orteils pour amener les deux épaules au-dessus des mains et on pose le genou au sol, on allonge les orteils de la jambe gauche, soulevez la poitrine, reposez les mains au sol, on retrousse les orteils, chien tête en bas à trois pattes, allonge et amenez le talon sur la fesse gauche. Amenez le pied en fente entre les deux mains, soulevez la poitrine, ramenez la jambe arrière, souffle, on reste, attrapez les coudes, balancez un peu. Reposez les mains au sol, reculez jambe droite, jambe gauche, posez les genoux au sol, pose de l'enfant, souffle. On redresse, croisez les jambes, amenez les pieds sur les côtés, hop, vous pouvez attraper votre serviette ici pour la placer derrière, l'objectif sera de la placer sur la partie haute de la tête, attrapez votre genou droit, descendez doucement au sol, placez la tête sur la serviette, ça permet de garder le menton rentré, croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, donc pressez les deux cuisses l'une contre l'autre, les deux genoux collés, on vient chercher soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. On tire les genoux vers la poitrine et on relâche les épaules. On repose la tête. Donc vérifiez bien, le menton est rentré. Au niveau de la respiration ici, c'est une respiration différente. Vous allez inspirer par le nez mais gonfler le ventre. Ensuite les côtes. Ensuite la poitrine. Expirez par la bouche et tirez un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine et vous allez expirer par la bouche. Une dernière fois. Un tout petit peu, écartez les bras sur les côtés et descendez les deux genoux vers la gauche en gardant bien les deux épaules au sol. Même respiration.
le ventre, les côtes, la poitrine en inspirant par le nez. Donc dans l'ordre, on monte et on expire par la bouche. Redresse d'abord le genou droit, le genou gauche. Croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On presse bien les deux cuisses l'une contre l'autre. Amenez donc les mains derrière la cuisse ou croisez les doigts derrière votre tibia au choix. Bien finir la position de votre tête. Tirez les genoux vers la poitrine. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Amenez les bras sur les côtés, descendez les deux genoux vers la droite. On se détend au niveau des hanches, gardez bien les deux épaules au sol, toujours la même respiration. Les jambes, remontez un genou, puis l'autre, posez le pied au sol, allongez vos deux jambes, les bras long du corps, posez bien les talons au sol, vous secouez un peu vos jambes, relâchez les fesses, étalez votre dos au sol, les épaules basses, la tête bien reposée. La même respiration, trois bonnes respirations. On fait d'abord le ventre, les côtes, la poitrine et expirez par la bouche. Expirons par la bouche, laissez bien reposer le corps sur le tapis. Les côtes, la poitrine, expire par la bouche. Respiration simple.
pieds près des fesses. Pivotez sur le côté, prenez appui sur une main, redresse. Main sur les genoux, inspirez, montez les épaules vers le haut. Et on les relâche. Encore une fois, inspire. Bien. Très bonne pratique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vous invite eh bien, à effectuer cette séance et à la réaliser plusieurs fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance du programme 66, bien sûr. Namasté.